le prix jeunesse Sciences Po Aix, et Laura Dufour, Amandine Guédou, c'est ça, Hugo Gonzalez, Blaise Mouriec, Carmine Onetto et Gulus, Romane Segura. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant toute chose, nous voudrions remercier le Festival Cine Horizontes de nous avoir accueillis. Nous voulons également remercier la professeure Madame Nadim qui nous a accompagnés. Et si elle pouvait monter sur scène, ça nous ferait très plaisir. Nous sommes ravis de représenter Sciences Po Aix et de remettre un prix de 1000 euros au réalisateur du meilleur film du prix jeunesse. Les quatre films que nous avons visionnés nous ont touchés et nous ont transportés avec pour fil conducteur la famille, un thème évocateur pour chacun d'entre nous. Les réalisateurs ont tous su nous captiver et nous amener à réfléchir sur des problématiques tant personnelles que sociétales. Il a pourtant fallu faire un choix. Pour son audace et sa manière spontanée d'aborder un sujet encore trop tabou de nos jours, le film que nous avons choisi a fait preuve d'originalité. La réalisation a en effet réussi à construire un pont entre deux mondes, celui de l'amour et celui de la raison. Enfin, c'est principalement la sincérité des acteurs qui nous a convaincus. Ainsi, el ganador es Carmen y Lola de Arantxa Echevarría. No lo sabía. No sabía que podía optar a un premio. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por querer el cine español. Pero sobre todo quiero dar las gracias a la gran Marie Rose, al amabilísimo y maravilloso Domingo. Y me hace especial ilusión porque es el premio de la juventud. O sea, hablo de... Es una película que trata la homofobia y si la juventud cree que se merece un premio, yo ya estoy más contenta que en Cannes, de verdad.